Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons aborder maintenant la quantification du champ électromagnétique. Alors on pourrait partir de Lagrangien égale moins un quart de F carré, F le tenseur électromagnétique. Mais nous aurions, si on partait de là, on aurait un souci, parce que F dépend des potentiels, et la variable conjuguée du potentiel à zéro, le potentiel scalaire, la variable conjuguée est nulle. Et ce qui pose un problème pour poser les relations de commutation. Alors, on pourrait poser la jauge, divergence de A égale 0. À ce moment-là, on tire la variable à zéro, qui est alors simplement le potentiel électrostatique, qui dépend de la position des charges, qui devient donc une valeur imposée, qui n'est plus une variable dynamique. Et la condition de divergence permet de n'avoir que les potentiels transverses. C'est la jauge de Coulomb. Malheureusement, cette approche n'est pas relativiste, parce qu'elle nécessite de choisir un référentiel privilégié. Ce n'est pas notre objectif, on veut garder la convergence relativiste manifeste. Une autre solution, c'est de modifier les équations de Maxwell de façon à ce que ce moment conjugué ne s'annule plus et de rajouter des contraintes pour restaurer la théorie de Maxwell au final. Alors, ça a une conséquence assez importante, à savoir que l'espace de Hilbert qui est obtenu est beaucoup trop large. Et en plus, il existe une norme négative, c'est-à-dire que certains états ont une norme négative, qu'on appelle, le tout étant appelé, norme indéfinie, parce qu'elle n'est pas définie positive. Et ça pose un souci au niveau des probabilités. Mais évidemment, on le vérifiera une fois qu'on aura identifié les états physiques et qu'on se limitera aux états physiques, le tout rentrera dans l'ordre. On aura deux polarisations et une norme positive. On devra aussi vérifier que la conservation du courant n'est pas perdue au cours de cette procédure. Donc on va prendre comme Lagrangien, moins 1 quart f carré, plus un terme, donc moins 1 moins lambda, fois d mu pardon, lambda demi, que je vais. On prend moins lambda demi d a au carré, où lambda est un paramètre tout à fait arbitraire, que bien sûr on ne va pas poser comme ça égal à zéro. Les équations que l'on tire de là se trouvent facilement. C'est d'Alembertien à mu, moins 1 moins lambda, d mu, dA égale 0. Et à ce moment-là, on peut tirer les moments conjugués, pi rho, est égal à la dérivée du Lagrangien par rapport à d0 à rho. Et on obtient ainsi f rho 0 moins lambda g rho 0 fois dA. Avec F00 qui est égal à 0, mais du fait du lambda qui n'est pas nul, le moment conjugué pi 0 ne s'annule plus. Voilà l'objectif atteint. Mais encore, on doit tout quantifier et arriver à une théorie qui correspond, qui revient à la théorie de Maxwell quantifiée. Alors, si on prend cette équation-là, que l'on ait 0 ici, ou un courant conservé à droite, dans tous les cas, on en déduit qu'on doit avoir
si D, la dérivée A de A s'annule à, sur des conditions limites, alors il s'annule partout. Il est donc naturel de le poser dA égale 0, c'est la jauge de Lorentz. Malheureusement, si en fait ce qu'on trouve, c'est on peut en déduire que le d'Alembertien de dA égale 0. Et donc s'il s'annule sur une surface, alors il s'annule partout, c'est la jauge de Lorentz. Mais dA, si on l'annule, on retombe sur les mêmes difficultés avec pi 0 qui s'annule. On va imposer, alors notons que dA se comporte comme un champ scalaire, enfin pour ça c'est assez anecdotique. Alors, on va imposer des conditions de commutation canonique, à rho pi nu, égale I G rho nu fois delta cube pardon, x moins y. Et donc, un pi 0 égale à 0 serait évidemment très ennuyant puisque ce serait incompatible avec la condition de commutation qui ne peut pas s'annuler. Et donc la jauge de Lorentz, telle qu'elle, est inapplicable. Mais nous verrons une manière indirecte de l'appliquer en moyenne, mais nous reviendrons là-dessus. Donc ici, on va garder lambda arbitraire, mais par simplicité, nous allons le poser égal à 1. Il peut être quelconque, on peut choisir lambda égale 1. C'est souvent appelé jauge de Feynman. Notons que le mot jauge ici est arbitraire. Ce n'est pas une jauge comme la jauge de Lorentz ou la jauge de Coulomb. C'est juste le nom qui lui a été donné. Jauge de Feynman. Et dans ce cas-là, les équations se réduisent à nabla à mu égale 0, lambda égale 1. Pour bien faire, il serait intéressant de garder lambda quelconque, de continuer le travail et de vérifier qu'à la fin, le résultat est en réalité indépendant de la valeur de lambda qui est choisie. Mais je laisse ça comme exercice. Ici, par simplicité, nous posons lambda égale 1. Alors, on complète les relations de commutation. A rho, A mu, égale pi rho, pi nu égale 0. Ou encore, puisque le moment conjugué est proportionnel à la dérivée, on peut dire aussi A dot rho, A dot nu égale 0. Ainsi que A dot rho, A nu est égal à I, G mu nu, G rho nu, delta cube, X moins Y. Ce qui permet d'avoir les relations de commutation en utilisant seulement le potentiel sans devoir faire intervenir le moment conjugué pi. Notons que ceci est tout à fait analogue à avoir quatre champ scalaire indépendant avec les quatre conditions, relations de commutation canonique. Un petit détail près, pour les champs scalaires, on a I delta cube x moins y. Tandis qu'ici, on a le tenseur métrique, ce qui veut dire que pour A0, il y a un changement de signe. Comme si on inversait la signification de la variable et de son moment conjugué. Ceci est lié au caractère quadrivectoriel de ces champs et à la relativité. Et cela va donner un espace de Hilbert qui, au final, sera très différent et qui nous permettra de sélectionner les états physiques. La prochaine étape, c'est de prendre les solutions de cette équation,
C'est une équation très simple. On prend les solutions sous forme d'ondes planes. Alors, on a donc A mu est égal à l'intégrale des cubes K tilde fois la somme sur lambda égale, attention, pas confondre avec le lambda du dessus, c'est un simple indice, lambda égale 0 à 3 de A lambda de K fois epsilon mu lambda de K fois E exposant moins IKX plus A lambda croix epsilon mu lambda croix fois epsilon IKX. Lambda allant de 0 à 3, puisqu'on a 4 champs scalaires, ou pseudo-scalaires pour celui qui a un changement de signe. Et A, ce sont les coefficients, nous y reviendrons très vite. Alors on a également des cas tilde posés comme dans le cas scalaire, égal à d cube k divisé par 2k0 fois 2π cube. Et avec k0 égale la norme du vecteur k. C'est-à-dire que k est sur le cône de lumière, et donc qu'on décrit ici des quantas sans masse, les photons. Et enfin, les epsilon mu sont des vecteurs de polarisation, quatre vecteurs de polarisation linéairement indépendants et qu'on peut choisir comme étant des nombres réels. Alors faisons un choix de vecteurs de polarisation, donc on choisit un repère donné et notons M, le quadrivecteur qui est l'axe du temps, avec M carré égale moins 1. Et on va choisir, alors N0 positif, bien sûr, on va passer vers le futur, et on va choisir epsilon 1 et epsilon 2, donc le lambda, epsilon 1 et epsilon 2, on va les choisir dans le plan qui est perpendiculaire à K, et à K est la direction de propagation, et à M. Donc c'est un plan spatial, puisqu'il est perpendiculaire à M, et perpendiculaire à la direction de propagation. Ce sont, donc avec epsilon lambda, epsilon lambda prime, où lambda et lambda prime valent 1 ou 2, qui est égal à moins delta lambda lambda prime. Ce sont donc deux vecteurs unitaires, orthogonaux, spatiaux et dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. On choisit epsilon 3 dans le plan Tn et perpendiculaire à n, donc c'est une direction qui suit la direction de propagation, avec epsilon 3 fois n égale 0, epsilon 3 au carré égale moins 1, donc c'est un vecteur spatial unitaire. Et enfin, on choisit epsilon 0 égale à m, donc dans la direction du temps. On a donc epsilon 1 et epsilon 2 qui sont les polarisations transverses. Epsilon 3 qui est dans la direction de propagation est appelé polarisation longitudinale. Et epsilon 4 qui est temporel est appelé polarisation scalaire. Dans le repère où N0 est égal à 1 et où K3, donc dans le repère où N0 égale 1 et où la direction de K serait K3, donc le K, la direction de propagation est l'axe numéro 3, on a epsilon 0 égale 1. Pardon, epsilon 1. Non. Epsilon 0, oui, égale 1
0, 0, 0, le vecteur temporel, epsilon 1 égale 0, 1, 0, 0, direction 1 perpendiculaire à 3, il est transverse, tout comme epsilon 2, qui vaut 0, 0, 1, 0, et epsilon 3, qui dans ce cas-là vaut 0, 0, 0, 1, direction de propagation, c'est le longitudinal. Notons que l'électromagnétisme dit que les ondes électromagnétiques sont purement transverses, dont les deux seules polarisations physiques sont celles-là. Mais ça, nous devrons le vérifier avec notre forme. Nous avons modifié explicitement les équations et nous devrons vérifier, en voyant pour la jauge de Lorentz, si on retrouve bien les polarisations physiques et uniquement celles-là. Et ça, nous continuerons dans ce but-là dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.